On quoi tu Ông vừa chụp ảnh cả to, cái chụp ảnh cả này thì sẵn là cả. Đây, nơi thằng này cứ ông vừa to, sẽ đáp cái cảm sạ xì, phong sô, đây là tăng thêm một đánh đầu, đời công mà chụp ảnh cả phía đây. Đây, mình đang bắt đầu với cái ca chuyên từ công mà chụp ảnh cả phía đây, xong luôn. ឬបរិលករនៃការពិចារណាពីវត្តមានអវត្តមានភិក្ខុនិងបុគ្គលដែលអង្គរះក៏អញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការសម្មនាការនេះសូមគោរពលោកប្រធានសម្រាប់សម្មនាការថ្ងៃនេះគ្រប់ភិក្ខុទាំងអស់ដែលរឿងក្តីនេះមានវត្តមានលើកលែងតែជនជាប់ចោតនួនជាមានវត្តមាននៅបន្ទប់ឃុំខ្លួននៅខាងក្រោមសាលសម្មនាការដោយមូលហេតុសុខភាព សាក់សីដែលត្រូវផ្ដល់សក្ខីកម្មបន្តថ្ងៃនេះគឺលោកហ្វ្រង់ស័រពុងសូសាក់សីមានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់សម្មនាការសូមអរគុណបាទអរគុណជាបន្តអញរះផ្ដល់វេទិកាជូនទៅក្រុមវិទ្យាការពីក្តីលោកឈឺសំផនដើម្បីមានឱកាសតាំងមុននេះដល់ចំពោះសាក់សីសូមជឿញ Merci, Monsieur le Président. Bonjour, bonjour. Miss Elmeng, comme Kringta Ruang Bopre, Mien Panyahat, Yetunmo. De chine tngani passen ba lokpatien yul srap kem som ye piesa khmae e piesa parang ponte som kom ne chaot tha khyam kanjeng ne tova ne kapie kol bom nang khyam ku tve ai chba menten kum ne toba khyam chba menten po mesen meng mesen mangai kem kering ta ne ba prae ko sala nung sekedai de kem prap de chine som anunyat ai ye piesa parang អគុណនៅការបញ្ជាក់នេះដោយសារអង្គជំរះបានបញ្ជាក់និងសម្រេចការពីម្សិលមិញរួចហើយថាលោកប្រើប្រាស់ជាភាសាបារាំងចាប់ពីពេលដែលសំណើសុំរបស់មេធាវីអន្តរជាតិកាលពីក្តីលោកហ៊ីសំផនបានបញ្ជាក់អំពីបញ្ហាដែលកើតមាននៅក្នុងការពិភាក្សាដេញដោលនេះដោយអាចប្រឈមដោយសារបញ្ហានៃការបកប្រែនេះអញ្ចឹងហើយគឺអង្គជំរះបានអនុញ្ញាតតាំងពីម្សិលមិញម្លេះអញ្ចឹងគឺអង្គជំរះបានសម្រេចរួចហើយ ឲ្យតែលោកប្រងសពងសូប្រើប្រាស់ភាសាហ្នឹងឲ្យច្បាស់លាស់ថាប្រើប្រងពេលនេះគឺប្រើជាភាសាបារាំងឲ្យច្បាស់លាស់តែភាសាតែមួយដើម្បីសម្រួលដល់នៃការបកប្រែភាសាពីប្រវត្តិជាប្រើភាសាលោកឡំគ្នានោះគឺពេលដែលលោកប្រើភាសាខ្មែរឬក៏លោកប្រើភាសាបារាំងខាងខ្ញុំនេះអមថាលោកប្រើភាសាបារាំងដល់លោកប្រើភាសាខ្មែរទៅខ្ញុំត្រូវបានខ្មែរប៉ុន្តែ ខាងអ្នកប្រើភាសាបារាំងសម្រាប់ប្រមាណទេដែលមិនសមិញលោកប្រើភាសាខ្មែរប៉ុន្តែដល់ពេលខ្លះលោកនិយាយភាសាបារាំងប្រមាណពាក្យទៅខាងខ្ញុំស្ដាប់អត់បានទេហើយអត់មានការបកប្រែទេអាប្រមាណពាក្យហ្នឹងអញ្ចឹងវាអាចមានបញ្ហាដែរដូច្នេះគឺអរគុណដែលលោកបញ្ជាក់បញ្ហានេះសរសៃជាថ្មីម្ដងទៀតដើម្បីភាពច្បាស់លាស់ហើយនេះជាបំណងប្រាថ្នារបស់អង្គជំរះដើម្បីជាប្រយោជន៍ក្នុងការស្វែងរកការពិតអង្គជំរះបានបញ្ជាក់ជូនជំរាបជូនលោ
Merci, Monsieur le Président. Alors justement, dans la suite de ce qui vient d'être dit, et je m'excuse si cela peut-être vous paraître un peu réparatif, mais je voudrais, pour que les choses soient très claires, revenir sur cette prétendue interview de M. Khieu Somphorn, qui aurait été donnée en 1976, à Madame Paola Brianti, qui travaillait pour un journal appelé Familia Christiana, en français, famille chrétienne. Je reviens là-dessus parce que ça, vous n'en êtes pas informé. Le procureur, encore tout récemment, a indiqué que cette interview était pour lui un document clé, un document essentiel. Un exemplaire de ce journal, Famille chrétienne, et qui porte la cote E3/608, français 006-3-2-5-6-6-68, Khmer 004-1-9-8-4-1-4-3 et en anglais 006-3-2-5-6-6-68. Des éléments dont j'ai reçu information, je comprends. Dire si c'est la réalité ou pas, contester non seulement la réalité de cette interview, je comprends également que vous en avez été informé par un des journalistes français appelé Éric Laurent, qui travaille pour une radio française qui s'appelle France Inter, au Sri Lanka, Madame Paola Brianti, vous a confirmé que cela était faux et que jamais Madame Brianti n'avait rencontré Khieu Somphorn. Les transcrits, nous avons également d'autres personnes, M. William Shawcross, qui a confirmé qu'aucun des dirigeants présents lors de cette conférence n'avait rencontré les journalistes. Est-ce que, pour la partie concernant la manière dont vous avez appris que cette interview était un faux, vous préférez? Et avant de répondre à ma question, je vous demande d'attendre, puisque le procureur Merci, Monsieur le Président, et bonjour, mesdames et messieurs les juges. Je crois qu'il y a un problème de méthode avec ce genre de questions qui est extrêmement long. Merci.
Monsieur le Président, si je puis me permettre, ma question était une question de clarification. Elle était précise et elle permet au père Poncho de confirmer ou d'infirmer. Donc, je pense que le témoin peut y répondre. Je pense que le témoin peut y répondre. Je confirme qu'Éric Laurent est français cette nuit. Éric Laurent m'a dit « J'ai toujours été avec Paula Briand, c'est un feu. » Comme par exemple, vous citez match par match, m'a montré des photos concernant les exécutions des Pères Rouges. On m'a voulu que je cautionne ces photos. C'est le colonel de Saint-Simon, je peux citer son nom puisqu'il est mort maintenant, qui a fabriqué ces photos en Thaïlande, montrant de faux frères rouges, assassinant de faux frères. Alors ça, je confirme aussi, ce sont des mouvements anticommunistes, viscéralement anticommunistes, qui voulaient nuire au Cambodgien démocratique, que d'autre part, je n'apprécie guère. Je tiens à préciser. Je vous remercie pour votre réponse. Je voudrais passer à un autre point dont nous avons également parlé hier et qui concerne cet ancien pilote d'hélicoptère qui est passé à un moment donné du Kampuchea démocratique en Thaïlande. On en parle avec lui, je crois, d'ailleurs, son hélicoptère. Il s'est enfui en hélicoptère. Cette personne qui porte le nom du lieutenant, qui est le lieutenant Pek Lim Khun, a rencontré, à la suite de sa fuite, beaucoup de gens. Et vous en avez parlé. Hier, vous en avez parlé, et moi, ce que j'ai reçu comme traduction de ce que vous disiez, c'était que vous aviez le souvenir d'avoir rencontré cet ancien militaire du Kampuchea démocratique en Thaïlande, que c'est lui qui vous avait parlé. Alors, déjà là-dessus, est-ce que vous voulez peut-être préciser ce que vous avez dit? Dirigeants Khmer Rouge. Ça a été traduit. Il enseignait les dirigeants Khmer Rouge lors de la bataille. Alors, je lui ai demandé qui était Anka. Il m'a dit qu'il y a le camarade Paul, il y a le camarade Hem, il y a le camarade Van, il y a le camarade Vet. Alors, je lui ai dit qui c'est ces gens-là. Il m'a dit je ne sais pas. Et dans mon livre, je cite ce passage et je parle du camarade Paul. Je dis que le camarade Paul, c'est peut-être Nong Suong, c'est peut-être Salotsor, mais pour le moment, on n'en sait rien. Je vous remercie pour ces précisions. Donc, je voudrais indiquer que nous avons, nous aussi, des dossiers, des entretiens qui ont été donnés par ce militaire qui s'était enfui du Kampuchea démocratique, notamment un entretien probablement qui a eu lieu dans le camp aussi, puisqu'il a été donné à l'ambassadeur de France en Thaïlande, et que nous avons une note du 6 octobre 1977, de l'ambassadeur de France en Thaïlande, à son excellence le ministre des Affaires étrangères français, c'est la COP E3 par le fraction 481,
Et je voudrais en lire un extrait. Parce qu'il me semble que c'est un document qui est quand même intéressant et qui détaille le contenu de l'entretien. Le militaire parle d'abord de cinq dirigeants qui en poste au Cambodge à ce moment-là et qui pour lui sont les dirigeants principaux. Il cite Pol Pot, Yang Sari, Van Vett, Nguyen Chia, Son Sen. Et puis il en vient à parler de Khieu Samphan et je cite ce qu'il dit, moi tout cas ce qu'il dit dans la note. On ne saurait en dire autant de M. Khieu Samphan dont le pouvoir réel paraît bien inférieur au rang protocolaire. Plusieurs indices ténus de convergents autorisent cette hypothèse. Khieu Samphan appartient ainsi à la plus récente des strates du mouvement Rouge, mais il a rejoint la Cambodge en 1967, dans la campagne de Nguyen Le Quyen et Le Nung. De ce trio, Hu Yun a complètement disparu de la scène, sans doute tué ou mort en 1975. En outre, Khieu Samphan occupait fonction chef de l'État, général honorifique dans la structure de l'État socialiste. Il a d'ailleurs été cité par le seul réfugié ayant une certaine connaissance des milieux du pouvoir à Phnom Penh. Et là, on renvoie effectivement à Peck Lim Khon, ce pilote d'hélicoptère, comme ne faisant pas partie, certes, principal du dirigeant. Enfin, Pol Pot, dans son discours du 27 septembre, a évoqué au passage un précédent du président du État pour le qualifier aimablement d'intellectuel. Quand on sait le traitement infligé par les Khmer Rouges à la catégorie de la colonisation, quand on lit la suite de l'allocution consacrée en grande partie à l'éloge de la classe paysanne, seule véritable force révolutionnaire, on situe mieux la place que ses pères accordent au chef de l'État. Enfin, donc la citation de ce qu'écrit l'ambassadeur de France en traînant à son ministre. Et je voudrais dire que cette description du lieutenant pilote d'hélicoptère est reprise également dans un article qui est dans notre dossier, Herald Tribune, en date du 11 mai 1976, qui porte la cote E190.1.409 et les URL français communiquer ces informations car il me semble qu'elles sont un petit peu différentes de ce que vous décrivez de votre entretien avec ce lieutenant. Alors, pour être complet juste, je peux citer un passage de ce qui est dit dans cet article du Herald Tribune. Le lieutenant a tourné en dérision les reportages de Radio Phnom Penh dépeignant le Cambodge comme un pays de citoyens enthousiastes, dirigé par une assemblée nationale et un gouvernement présidé par Khieu Samphan. Il a déclaré dans une interview que le vrai pouvoir était entre les mains de Salat Sarr et quatre communistes purs et durs réunis dans un groupe appelé le Machem Pak, une organisation suprême. Quel est
Encore une fois, Monsieur le Président, je voudrais revenir sur la méthode, une longue intervention personnelle à titre d'information de la part de la Défense qui fournit des informations qui ne pose aucune question aux témoins. Il n'y a pas de question, on n'a pas entendu une question. Donc, je m'interroge pourquoi avoir fourni toutes ces informations si ce n'est pas pour poser une question. D'autre part, je pense que les deux documents qui ont été cités, le premier fait état d'hypothèses, etc. Bon, c'est vrai qu'on peut toujours demander au témoin ce que lui a entendu, mais je ne crois pas qu'il puisse réellement faire de grands commentaires sur les rapports que faisait l'ambassadeur de France en 1977, en octobre, sur ce qu'il aurait entendu, etc. Donc si une question doit être posée, ce serait celle peut-être de redemander ce qui a été dit entre le père Poncho et ce pilote, mais à part ça, je ne vois pas très bien ce qu'il pourrait témoigner d'autre. Donc, encore une fois, est-ce qu'il y a une question? Deuxièmement, est-ce que la défense peut, s'il n'y a pas de question, arrêter de fournir des informations qui pourront faire l'objet de plaidoirie finale, mais à ce stade-ci, je ne vois pas très bien où il faut en venir. Rapidement, M. le Président, d'abord. Oui, merci, Monsieur le Président. En fait, je voulais dire exactement la même chose que Monsieur le Procureur. នេះឆ្លើយតបនឹងសំណួរពីព្រោះអ្នកឆ្លើយត្រូវការច្បាស់លាស់ឲ្យពេញលិញទៅនឹងសំណួរបែបបាក់សួរបើករបៀបនេះចឹងហើយបានជាយើងបានធ្វើការចាប់អារម្មណ៍បញ្ជាក់ជូនភាគីជាពិសេសអ្នកដែលមានតាំងសំណួរនេះឧបតកាតាំងសំណួរនោះសូមចាប់អារម្មណ៍លើបញ្ហាផ្លាស់ប្ដូរនៅរបៀបវិធីសាស្ត្រក្នុងការតាំងសំណួរដេញដោលចំពោះសាក់សីដើម្បីឲ្យវាច្បាស់លាស់ហើយងាយស្រួលដល់អ្នកការបកប្រែផងដើម្បីឲ្យមានការបកប្រែនោះបានជាក់ច្បាស់ ទី1បញ្ហាទី2យើងសួរទៅលោកមេធាវីការពីក្តីលោកខៀវសំផនថាតើទី1លោកត្រូវការពេលវេលាប្រមាណទៀតក្នុងការសួរសាក់សីនេះទី2ថាតើលោកមានការបែងចែកពេលវេលាជាមួយនឹងមេធាវីការពីក្តីនួនជាយ៉ាងម៉េចដែរពីព្រោះក្រុមមេធាវីការពីក្តីនិងពីក្រុមនេះមានពេលវេលាមួយព្រឹកនេះហើយយ៉ាងច្រើនបំផុតយើងនឹងផ្តល់ពេលវេលាកន្លះម៉ោងជាការជួសជុលនៅរសៀលនេះពីព្រោះដោយសារមូលហេតុនៃការពន្យារ ប្រតិម្មងទីតាំងខាងក្រមមេធាវីនៅមុខអំណាងដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេនីដែលអាចចូលម៉ោង20មិញគឺកន្លះម៉ោងនេះបញ្ជាក់ជូនឲ្យបានច្បាស់លាស់ក្រៃលោមានការប៉ះពាល់ទៅដល់ផ្នែកដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសិទ្ធិក្នុងការចូលរួមសួរដេញដោលដោយក្រមមេធាវីការពីក្តីនួនជាក្រៃលោលោកប្រើពេលអស់ទៅមិនមានពេលវេលាសម្រាប់មេធាវីការពីក្តីនួនជាយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យ Alors, il y a beaucoup de choses auxquelles je dois répondre. Je vais vous répondre. 13h55, donc j'avais calculé qu'aujourd'hui, sur la répartition du temps, à 50% chacun, j'ai commencé ce matin à 9h10. C'est clair.
Ensuite, pour ce qui concerne les objections, j'ai fait un peu un procès très rapide, puisque en fait, je n'avais pas eu le temps de poser ma question. À juger cette affaire, c'est le procureur qui a instauré Je tenais juste à donner éventuellement l'opportunité aussi au père Je ne me souviens pas. Ce sujet concerne l'évacuation des villes. À ce propos, dans votre livre, et aussi à cette barre d'ailleurs, vous avez cité plusieurs raisons L'évacuation des villes. Vous avez parlé de problèmes, des questions alimentaires, des questions de sécurité, d'idéologie. Vous avez exprimé votre préférence pour la question de l'idéologie. Pour moi, c'était une question d'idéologie. Je crois que cela respecte ce que vous avez dit. Vous avez eu des entretiens avec le juge Marcel Lemonde et nous en avons un film. C'était filmé cet entretien. Non seulement vous avez signé un procès-verbal à l'issue de votre entretien avec le juge d'instruction, nous avons également le film. Nous avons demandé parfois des retranscriptions partielles de la vidéo. Nous avons eu l'occasion de citer à propos de l'évacuation. Il s'agit donc de la cote D133.1 de l'EN français 008-82127. Et là, le passage qui m'intéresse, que je vais citer, qui est très court. Vous parlez au juge et vous lui dites, c'était une volonté et que c'était une volonté délibérée de vider toutes les villes. À mon avis, la raison, ce n'était pas la vengeance des paysans contre les citadins, c'était une volonté idéologique. Est-ce que vous confirmez cette phrase que vous avez dit?
ตลกอาจบัญชีอัมพีเคลียร์ได้ลงบ้านฉลายจูนจากกรมเศรษฐกิจบ้านเต้สะใสบาดខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថានេះគឺជាពិតជាការអនុវត្តរបស់ពួកខ្មែរក្រហមមែនតាំងពីខែមេសាឆ្នាំ1976ទេគាត់តែយើងមិនសម័យគិតថាគាត់នឹងធ្វើបែបនេះចំពោះទីក្រុងភ្នំពេញនោះទេនេះគឺជាមនោគមវិជ្ជាពិតប្រាកដមែន ក្នុងឃ្លានោះគឺលោកបានលើកឡើងអំពីការសងសឹកហើយនិងមនោគមវិជ្ជាសុទ្ធសាធបាទខ្ញុំគិតថាថាมันមានការសងសឹកគុំគួននេះទេតាមពិតនោះគឺវាជាមនោគមវិជ្ជាសុទ្ធសាធវាអាចពិតមែនថាមានការសងសឹកអាចខ្មែរគ្រប់ប្រើប្រាស់ការសងសឹកដើម្បីបំរើឲ្យមនោគមវិជ្ជារបស់ពួកគេក៏ប៉ុន្តែមូលដ្ឋាននៃបញ្ហានោះគឺថាគឺជាមនោគមវិជ្ជាក្នុងការបង្កើតសង្គមថ្មីដោយគ្មានទីក្រុងគ្មានពួកកុំប្រដគ្មានពួកនៃទុនដោយតែលោកខៀវសំផ
Et donc, il y a une, faut expliquer la famine organisée au Cambodge. Alors, je pense effectivement, les rumeurs, ce sont des rumeurs, je n'ai jamais vu quelque chose d'écrit. Une partie du riz cambodgien partait au Vietnam Nord pour remboursement de dette de guerre. On m'a dit également en Chine pour dette de guerre. Et puis aussi un troisième point qui est souvent inconnu ou méconnu. Mình đang chỉ bán nó cứ tha Pol Pot trong cuộc li li đó bà con nó còn tóc rơi tóc ông có tóc nơi không đồng bón nơi chia cầm nơi nơi chia nơi chụp đồng đại nơi thế nào đôi chân nơi treo về hiếp nhưng khuyên miền khương không mang tên đại mai có ham bán tóc rơi cứ nơi không làm pi pon để khi bán khơi libéré cette fois non pas entre guillemets comme le langage Khmer Rouge mais libéré réellement en 2000, d'immenses magasins où étaient stockés le riz cambodgien, ainsi qu'au Phnom Kieu dans la région de Katabong, dans des grottes, parce que Pol Pot disait la guerre avec le Vietnam est inévitable, on va attirer les troupes vietnamiennes très profondément au Cambodge. Et là, elles seront coupées de leur base arrière, et nous aurons du riz, et nous pourrons leur faire la guerre plus facilement. Donc, c'est l'explication, trois causes principales, l'explication de la famine qui a régné au Cambodge. Et cette famine est également une norme de domination de la population. Je voudrais maintenant, parce qu'il me reste pas forcément beaucoup de temps, passer à un autre thème concernant la vie du Cambodgien démocratique. Je vais pour cela citer un extrait de votre livre qui porte donc les références suivantes. ERN français 008-6-2-1-8-7-Khmer 008-6-2-4-1 anglais 008-6-2-0-7-2-2. Il s'agit d'un passage où vous parlez du pouvoir du chef de canton sous les Khmers rouges. Et vous dites ceci, le Kanakum, chef de canton, a droit de vie et de mort sur les villageois placés sous sa direction. Et un peu plus loin, dites en principe, avant d'exécuter un coupable, il devrait en référer à sa propre autorité supérieure. Il effectue souvent cette démarche quand la sentence est déjà appliquée. C'est en grande partie de lui que dépend le climat de paix ou de terreur qui règne parmi les villageois. Est-ce que vous pouvez... Est-ce que vous pouvez développer sur le pouvoir du chef de canton que vous avez analysé avant d'écrire votre livre? Mon livre date, je l'ai écrit en 76, donc je n'avais pas énormément d'informations précises, j'avais des informations sur la région de Battambang. Michael Vickery, un Australien, a écrit Cambodgie en 1975-1982. Critique intelligemment mes réflexions en disant attention, partout, ce n'était pas la même chose. Effectivement, je tiens de la bouche même de Khieu Somphon, ici présent, ainsi que du film de Bruno Carette. Khieu Somphon reconnaît que dans le film de Bruno Carette, qu'une des erreurs du régime n'avait pas confié des lois de Khieu Somphon, c'est d'avoir confié le pouvoir à des cadres mal formés. Nous n'avons pas eu le temps de former les cadres de la robe pour confier des responsabilités trop rapides. Et effectivement, ce sont ces petits cadres qui ont tué dans une volonté naïve, je dirais, un peu à la Rousseau, qui dit que l'homme n'est bon, mais c'est la société qui le déforme.
Hay pu nang hai da chi nea ba chuun manuh ta ao slap no chi nea samlap manuh no maintenant je suis mieux plus renseigné alors ni khom tatou ban pon men personne qui a envoyé des gens à la mort nea da samlap manuh pot pakot no keu prathean sahakor te president de la coopérative et je pense que non hai tam pa leu keu chi manuh da da ba chuun manuh ao te ao thnak leu keu doy chi ba chuun te kana khom ri kana dambon la nang la dambei hai ke samlap le principal auteur des pour prathean sahakor nang hai da chi la révolution khmer rouge pot pakot no ce sont des directives générales qui ont été appliquées à la lettre souvent au-delà de la lettre au-delà de ce qui était commandé par les petits cadres de la lettre ce que vous venez de décrire c'est également la poursuite des objectifs en matière agricole je pense effectivement c'était ça par exemple en cas de demander de paysan libéré par les troupes vietnamiennes ne m'ont pas tué. Donc c'est les petits cadres locaux Vietnam qui ont dépassé souvent tant dans le domaine des exécutions, tant dans le domaine de la production, les directives données par l'ONCAR. Ce n'est pas une justification des responsables. Attention. Mais c'est les petits cadres qui ont souvent outrepassé les exécutions. Donc c'est les petits cadres qui ont souvent outrepassé les exécutions. J'ai une dernière question concernant l'évacuation de Phnom Penh, et notamment ce passage où vous allez à la recherche de Français à kilomètre 13, et vous avez parlé à cette barre. Voilà ce que vous dites au juge. Donc les gens sont partis. Vous parlez de Phnom Penh. Mais alors après, c'était vraiment la mobilisation la plus complète. Par exemple, je suis parti du côté de Prek Pneu. Peut-être 10 jours après, il y avait des centaines, des milliers de personnes dans les champs qui attendaient. On n'a pas l'impression que c'était bien prévu, mais c'est, disons que c'était une des directives générales pour toutes les villes, mais je dirais c'est à la Khmer, organisée à la Khmer, c'est-à-dire chacun se débrouille. On reconnaît la franchise habituelle et le juge Le Monde nous dit qu'on ne peut pas noter ça comme ça, mais je voudrais votre réaction sur... Je ne sais pas sur le juge Le Monde, mais sur
l'apparente désorganisation ការប្រតិកម្មរបស់លោកទៅហើយដូចជាមានការបកប្រែនឹងមិនច្បាស់លាស់ឬក៏មិនត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងគឺយើងប្រឹងប្រែងអស់លទ្ធភាពនៅក្នុងជួបបញ្ហាដ៏លំបាកនេះហើយយើងក៏មានបទពិសោធន៍មួយចំនួនក្នុងឡុងពេលនៃការធ្វើសកម្មភាពកន្លងមកនេះហើយសូមជួយលោកមេធាវីកាពីក្តីលោកនួនជាThank you, Mr. President. Good morning, Your Honor. Good morning, Council. 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 I have mostly follow-up questions because most topics have been covered yesterday and the day before. I would like to start asking questions to you about the things that you have said, mainly two days ago on questions from the President of the Boeing's in the period between 1970 and 1973. Have you been able to establish the effects of the U.S. bombing on the economy of Cambodia at that time, for instance, the effects on the rubber plantations or the effects on the cultivations of rice paddies. Would you please elaborate on that? Votre question porte deux volets. Hier ou avant-hier, je n'ai pas parlé des bombardements depuis 70. Alors, puisque vous posez cette question, il y a des bombardements depuis 68, 69, surtout 70, sur la piste Ho Chi Minh qui arrivait au nord du Cambodge, Mondulkiri, Ratanakiri, Mimot. Et là, il n'y a pas
239 000 tonnes de bombes qui ont été déversées, mais c'est volontiers 1 million, peut-être davantage, 1 million de tonnes de bombes qui ont été déversés sur la partie est du Cambodge. Et les plantations, par exemple, ont été détruites par les défoliants. C'est l'agent orange qui laisse des traces jusqu'à aujourd'hui par ces tueurs américains. Par exemple, dans mon secteur, il y a beaucoup de bébés qui naissent sans bras ni jambes. C'est la conséquence directe des défoliants sur les plantations de Mimot, en particulier Mimot et Snoul. La plantation de a été en grande partie détruite parce que c'était des intérêts français, donc les avions de l'Amérique du Sud vietnamien ont détruit toutes les usines et ensuite, eh bien, je pense pas qu'à Tchoup on ait lancé des défoliants. Alors ça, c'est une première partie des bombardements américains qui ont été catastrophiques pour toute la région et pour l'ensemble de l'économie cambodgienne. Même j'ai entendu dire que Kissinger avait conseillé à Nixon d'envoyer une bombe atomique pour couper la piste Ho Chi Minh. C'est dans les archives déclassées l'année dernière. Alors, quant au bombardement de 1973, c'est différent. Les bombardements ont commencé le 6 février et sont terminés le 15 août 1973 à minuit. Alors ces bombardements n'avaient pas pour but de stopper les révolutionnaires vietnamiens qui arrivaient par la piste Ho Chi Minh, mais c'était pour permettre à l'armée américaine de quitter le Cambodge voisin. Vous savez que le 21 janvier 1973 ont été signés à Paris des accords de la selle Saint-Cloud, par lesquels Nord-Vietnamiens et Américains se mettaient d'accord pour terminer la guerre au Vietnam. Les Américains quittaient le Vietnam et les Nord-Vietnamiens s'engageaient à ne pas envahir le Vietnam Sud. Kissinger et Lê Duc Tong ont eu le triste prix Nobel de la paix. C'est une honte pour la communauté internationale. Alors, vous vous souvenez peut-être qu'au mois de décembre 1972, la flotte américaine a bombardé le Nord-Vietnam parce que les Américains voulaient obliger les Nord-Vietnamiens à faire pression sur les Khmer Rouges pour qu'ils signent l'accord de la selle Saint-Cloud. Les Khmer Rouges, bon, enfin, je ne sais pas qui était responsable exactement, ont refusé systématiquement en disant nous ne sommes pas en guerre contre les Américains, contrairement à la propagande, nous ne sommes pas en guerre contre les Américains, mais contre le fasciste Le Nol, si bien qu'ils ont refusé de signer ces accords, et pour les remercier de leur refus, l'aviation américaine a déversé 239 000 tonnes de bombes sur le petit Cambodge qui leur avait rien fait. Il n'y avait pas de présence américaine, militaire américaine. Alors, s'il y a des gens condamnés, je pense que M. Kissinger devrait être à l'avant des condamnés. Alors, c'est ces bombardements de 1973 qui ont occasionné en grande partie, pas uniquement, parce que les Khmer Rouges sont responsables avec leur brutalité, de l'exode des paysans vers la ville. C'est aussi une des raisons que les Khmer Rouges sont devenus fous furieux. Il y a de quoi quand vous avez un déluge de feu qui s'abat sur vous,
il y a de quoi devenir fou, furieux. J'ai lu des récits de Vietnamiens, soldats communistes vietnamiens qui disaient que c'était absolument hallucinant. Et comme je le disais avant-hier, il n'y avait plus aucune retenue. On faisait tous nos besoins, on ne pouvait pas se retenir. Alors les étrangers qui étaient pris, ils avaient honte. Puis les soldats nord-vietnamiens leur disaient n'ayez pas honte, nous, c'est la même chose. On ne pouvait pas se retenir tellement c'était effrayant. Donc il y a deux choses à ne pas confondre. Et alors, une correction. J'ai dit avant-hier, peut-être que je me suis trompé dans les chiffres, que ces bombardements ont fait 40 000 morts. Dans les notices officielles du tribunal, j'ai vu hier soir, le Cambodgian Daily d'hier, j'ai dit 400 000. C'est faux. C'est 40 000 morts. C'est déjà beaucoup. Alors, généralement, on disait que ça avait fait 100 000 morts, mais avec le recul, les morts, vous savez, c'est triste pour eux, mais ce ne sont que des statistiques, comme disait Staline. 40 000, c'est déjà beaucoup. Généralement, on disait 100 000. On explique la furie des Khmer Rouges par ces bombardements. C'est aller un peu vite en besogne. C'est un élément, ce n'est pas le seul. Voilà, 4 000 morts, c'est Thank you, Mr. Poncho. Are you able to tell us where the majority of the casualties, be it 40,000, be it 100,000, were falling into? Where did people die as an effect of the U.S. bombings? Je n'ai pas de renseignements sur la question. Comme j'ai déclaré avant-hier, j'étais à Phnom Penh. Le soir, on voyait l'horizon s'embraser. Puis ensuite, on entendait le son. Ensuite, le souffle. Et parfois, la terre tremblait. C'est des estimations de spécialistes. Je n'en sais rien. And I've asked you earlier about the economic consequences. Are you able to tell maybe from accounts of refugees who were living in Phnom Penh in 1973 and 1974, what the effects were from the U.S. bombing on the cultivation of rice, or rubber plantations? Alors là, vous confondez toujours deux choses. Les premiers bombardements sur la piste Ho Chi Minh et sur les troupes nord-vietnamiennes présentes au Cambodge, alors ça a été catastrophique pour les plantations de caoutchouc. J'avais des amis qui travaillaient dans les plantations de Cham Kardong, Chup. Eh bien, ils sont restés avec les Khmer Rouges pendant un an, et puis ensuite, ils n'ont pas pu continuer à travailler. Les plantations étaient détruites. Les Khmer Rouges acceptaient une certaine présence française pour faire tourner leurs plantations. Ensuite, alors, les bombardements de 1973, déjà qu'il n'y avait pas d'économie au Cambodge, il ne faut pas vous figurer que le Cambodge de 70 à 75 avait une économie. C'était ruiné par les bombes. Même en 70, plus personne ne cultivait. Il y avait soit le gouvernement de l'honneur, soit les Sud-Vietnamiens, soit les Khmer Rouges qui faisaient la loi dans les campagnes. Donc il n'y avait pas à proprement parler d'économie. On survivait. Alors 73, des bombardements 73, ont complètement détruit ce qu'il restait d'une toute petite économie de survie. Et là, ça a été catastrophique. Les populations sont arrivées à Phnom Penh absolument sans rien du tout et sans possibilité
de recevoir quelque aide de la campagne. Alors je dois préciser toutefois que la province de Battambang a été épargnée, curieusement, et par les Khmer Rouges et par les bombardements américains. Par les Khmer Rouges, c'est aisément compréhensible, car M. Seksamiyet, le Chawaikret de Battambang, eh bien, vendait le riz aux Khmer Rouges, et les Khmer Rouges avaient besoin de la paix pour se nourrir. De même, dans les années 73, il y a eu une offensive gouvernementale sur la région de Kompom qui a permis de libérer à peu près 40, libérer cette fois dans le sens occidental, 40 000 personnes, et dans la région de Kompom, on a recommandé un tout petit peu à cultiver les rizières. Mais l'économie pendant la guerre, c'était zéro. Could you expand on that a little bit? Was that the case for the majority of the refugees? Was it also the case for the original population of Phnom Penh? What were your observations in those years? C'était une, sur, la situation était de plus en plus misérable. Les gens avaient faim, c'est exact. Effectivement, les États-Unis ont acheté du riz au Sud-Vietnam et transporté par bateau jusqu'au début 75. Donc, il y avait en gros de quoi subsister. Je dis bien subsister, survivre, pas vivre abondamment, mais survivre. Et les Américains ont le culot actuellement de réclamer au gouvernement de la, du deuxième royaume du Cambodge de payer les dettes engagées à ce moment-là. C'est une honte de la part d'Amérique de demander la nourriture pour la population qu'ils ont fait fuir des campagnes. C'est un peu gros. Donc, jusqu'en 75, ça allait à peu près. À partir du début 75, comme je vous l'ai dit, les Khmer Rouges ont coupé le Mekong. À ce moment-là, ça devenait nettement plus difficile. Donc, les Américains ont fait un pont aérien pour amener du riz de Bangkok et non parachuter du riz comme il est inscrit dans votre compte-rendu. C'est seulement les derniers jours, peut-être en avril, fin mars ou début avril 1975, que Po Chen Tong est en sous le feu de l'armée Khmer Rouge, que les Américains ont bombardé parachuter des vivres pour la population de Phnom Penh. Donc, on peut dire que jusqu'en 1975, on s'en est sorti. Depuis janvier 1975, c'était de plus en plus dur, mais on vivait quand même sur les stocks qu'on avait eu quand même la précaution de composer jusqu'en janvier 1975. Une chose que l'on ignore, nous occidentaux, c'est la faculté qu'ont les Khmer de survivre avec rien du tout. Moi, ça m'a toujours étonné, soit au Cambodge en guerre, soit dans les camps de réfugiés, soit après du côté de Trévière. C'est une, les Khmer ont une possibilité, une faculté d'adaptation et de survivre absolument incompréhensible pour nous occidentaux. Thank you, Mr. Poncho, for that addition. Thank you.
Je ne parlerai pas que des réfugiés. Les réfugiés, à la rigueur, il y avait des hôpitaux. C'était pas si mal. Bon, la santé n'était pas bonne, effectivement. Mais le peuple khmer qui vivait dans le Cambodge était encore bien pire. Et en 1975, quand les Khmer Rouges ont pris le pouvoir, il n'y avait pas de service de santé dans le Cambodge. C'était encore bien pire que Phnom Penh. Alors, effectivement, la situation n'était pas bonne, mais il y avait beaucoup d'ONG, donc malgré tout, le peuple khmer survivait au point de vue sanitaire. Ensuite, alors, quand le peuple khmer a été libéré entre guillemets par l'armée vietnamienne, alors là c'était catastrophique, aussi bien à Phnom Penh que dans les Cambodges, que dans le Cambodge tout entier, parce que contrairement aux affirmations du Cambodgia démocratique, c'était la pénurie la plus complète, à tout point de vue. J'ai écrit Cambodge année zéro, mais un homme que je n'aime pas, qui condamne Thieu Samphan, dont je tairai le nom, me dit l'année zéro, c'était vraiment 79, où là, il n'y avait plus rien du tout. Thank you, Mr. Poncho. Earlier, I think the day before yesterday, you were speaking about an incident involving American and Vietnamese troops, which you Vietnam, called very brutal. And in one of the incidents, you referred to the death of 19 civilians. How did you know this? Bon, c'est en 70, je suppose que vous faites allusion aux 39 civils qui ont été tués étrangers en 70. Alors, après la chute de Somdai Sihanouk, le Nol, dans sa sagesse illuminée, a donné ordre aux soldats nord-vietnamiens qui étaient dans des sanctuaires le long de la frontière khmero-vietnamienne de quitter ces sanctuaires. Le Nol pensait qu'ils allaient partir au Vietnam, mais les Vietnamiens ont envahi le Cambodge, les communistes vietnamiens ont envahi le Cambodge, raflé tous les jeunes gens, en ont fait une armée de libération nationale. Alors, le Nol, dans sa sagesse illuminée, ou dans sa folie, je préfère pour les traducteurs, dans sa folie, pour sceller le peuple khmer, a utilisé l'arme anti-vietnamienne, la haine traditionnelle des Cambodgiens contre le Vietnam, qui date en grande partie depuis la prise du Kampuchea Krom au siècle, au 19e siècle. Alors, à ce moment-là, l'armée de Le Nol a tué de nombreux Vietnamiens innocents, que je pense, moi, innocents. Des Khmer m'ont dit qu'ils n'étaient peut-être pas si innocents que ça. Mais enfin, des Khmer innocents, peut-être 2000 Vietnamiens du Cambodge, notamment un grand village au nord de Choi Chawan. Alors, ensuite, eh bien, les Nord-Vietnamiens et les Vietcong ont envahi le Cambodge, comme vous le disiez, chassé l'armée de Le Nol, qui ne faisait pas le poids. Moi-même, j'ai été prisonnier des Vietcong, c'est-à-dire les communistes du sud Vietnam. Et ensuite, alors, au mois de mars, avril, surtout au mois d'avril, avril-mai, le Cambodge était au bord de la faillite. Les Nord-Vietnamiens étaient capables de prendre Phnom Penh. Et à ce moment-là, Le Nol a dû demander l'aide du Sud-Vietnam pour se défendre contre les Nord-Vietnamiens. Et c'est à ce moment-là que Nixon et Kissinger ont une idée de génie. Ils ont cette folie pour les traducteurs.
ont demandé, l'entrée des forces américano-sud-vietnamiennes à l'intérieur du Cambodge sur une profondeur de 40 km à l'intérieur du Cambodge pour officiellement prendre le quartier général des troupes nord-vietnamiennes qui était supposé être du côté de Nimot. Et ils ont annoncé ça bien à l'avance, si bien que quand une véritable armada d'hélicoptères est entrée au Cambodge sur une profondeur de 40 km, suivie par des troupes sud-vietnamiennes, là les sud-vietnamiens ont vengé leurs compatriotes qui avaient été tués, violés deux mois auparavant. Le Nord a massacré les Vietnamiens au début avril 1975 et en mai-juin 1975, cette armée sud-vietnamienne a été vraiment détestable. Ils ont tué, volé, violé tout ce qu'ils pouvaient sur une profondeur de 40 km à l'intérieur du Cambodge. Je vous ai même dit avant-hier qu'ils sont arrivés jusqu'au village de Sayang, lieu de naissance de Son Excellence Sarkey. Et là, vous pouvez trouver des paysans aujourd'hui qui vous racontent cette invasion des troupes de Nguyen Cao Ky, qu'ils appellent Aki, comme on appelle les chiens. Et là, ils ont vraiment été odieux, si bien que les paysans, sur une profondeur de 40 km à l'intérieur du Cambodge, n'avaient qu'une possibilité de salut, c'était de courir du côté des Khmers Rouges. Donc les Américains sont responsables de l'accroissement des effectifs de l'armée Khmers Rouges au moins à cette époque, au mois de mai-juin 1975. Les Khmers Rouges qui étaient à l'époque très corrects. Oui, c'est pour la clarté des débats, puisque Père Ponchot, depuis tout à l'heure, vous faites référence à l'année 1975 de façon répétée. Et il me semble que c'est l'année 1970, je le dis, parce que je pense que sinon tout le monde va être perdu. Effectivement, je m'excuse, c'est l'année 70. Excusez-moi, je fais une erreur. Merci de me faire avoir remarqué cette erreur. Another question, Mr. Ponchot, about this era between 1975. Two days ago, you called the execution of 2,000 Vietnamese by the Mongol soldiers, and you used the word genocide. And when you were describing this incident, why did you, 2 days ago, use the word genocide? Of course, Oui, je qualifierais cet incident, 2000 personnes quand même qui ont été massacrées, c'est pas rien. J'ai traité cela de génocide, car on s'est attaqué aux Vietnamiens en tant que Vietnamiens. Du temps des Khmers Rouges, ça a été différent, c'est pour ça que je conteste le mot employé génocide, ce sera à vous de juger. En 1975, je dis bien 1975, les Khmers Rouges ont autorisé les Vietnamiens à repartir chez eux et les ont aidés à repartir chez eux. Par contre, à partir de 1978, il y a une guerre larvée entre le Cambodge et le Vietnam. Donc, à ce moment-là, les Khmers Rouges n'ont pas été dans la dentelle, n'ont pas été très
modéré leurs actions et ont tué les Vietnamiens résidant encore au Cambodge. Et là, je dirais, vous pouvez peut-être traiter cela de génocide. Moi, je dirais plutôt que c'est une réaction de défense contre la cinquième colonne durant une guerre. C'est peut-être un génocide, c'est à vous de juger. Mais moi, je ne dirais pas génocide. Je dirais que c'est un peu comme les États-Unis, après les attaques, l'attaque de Pearl Harbor, rassemblé les citoyens japonais qui vivaient aux États-Unis et les ont mis en camp de concentration. Ils ne les ont pas tués parce que ce sont des Américains qui ont un certain sens de la vie humaine, mais c'est dans la même logique. C'était la cinquième colonne qu'il fallait neutraliser. Les Khmer Rouges ont neutralisé par la mort. Ils ont eu tort, mais je dirais que c'est une autre logique que la haine raciale. Vietnam, On the question, what can you tell us about religious persecutions in Democratic Kampuchea, and you answered, there were none. I'm certain of this in the case of Christians. The same goes for the Buddhists. Those who were killed in some way were not killed due to the religion, but because they were seized as prisoners, or they refused to comply with orders of Hong Kong. It is true that the regime was anti-religious, but I would not describe this as genocide. I would say that the same applied to the Chams. The Khmer Rouge ideology was good and bad, you had to be part of it, and you failed to join, you were eliminated. But the same applied to the Chams was good and bad. So in your statement toward the OCHJ and the Liberty, you chose not to use the word genocide. Is that correct? Yes, I would say that the same applied to the Chams was good and bad. J'ai employé le terme génocide contre l'assassinat des Vietnamiens en 1970, car là, on a l'honneur à insister sur la haine raciale. Les Vietnamiens ont été tués en tant que Vietnamiens, ce qui est des chrétiens, il n'y a pas eu de persécution religieuse contre les chrétiens au Cambodge. Bien que la majorité, 90% au moins des chrétiens, des catholiques, j'entends, que je connais mieux, ont été tués. Mais c'était pour la plupart des gens de Phnom Penh, de Battambang, donc des ennemis, des gens du 17 avril, des peuples nouveaux, des prisonniers de guerre. Et ma conviction est que ça sera vérifié historiquement qu'à partir de 1978, on a voulu éliminer tous les gens libérés, le peuple, le nouveau peuple. C'est ma conviction. Je n'ai pas de preuves suffisamment précises, mais j'ai la conviction, l'intime conviction, que l'ANCA a voulu supprimer le peuple libéré le 17 avril 1975. J'ai plusieurs amis qui ont été tués à ce moment-là. Je ne vois pas d'autres raisons. Donc, en conclusion, il n'y a pas eu de persécution contre les chrétiens. J'ai des exemples précis où des femmes ont été reconnues comme chrétiennes. L'une du côté Svai Sisopon, on l'a pris en train de lire la Bible, on lui dit « attention ».
Thank you, Mr. Bonchot. I have a question. Thank you. You have been describing various groups. Was it your testimony that there was a difference in behavior and acting between the various groups that you have seen in 1975?
Effectivement, il y avait différents groupes. Certains, par exemple, nous disaient partir. Certains disaient de rester. Certains disaient partir, partir vite. D'autres disaient non, restez ici, vous les étrangers, vous restez ici. Certains étaient affables. Certains qui étaient en noir étaient affables. D'autres étaient, vous voulez nous manger tout cru. C'était vraiment très très dur. Donc il y avait des différences, au moins à notre égard, très différents des uns des autres. Avec la population Khmer, je ne peux pas dire. Would you be in a position... Please go ahead. Également, ils ne parlaient pas tous le même langage. Parce qu'il y a un langage Khmer Rouge, certains parlent de maître pour dire vous, certains sont snar pour dire demander, réquisitionner, snar, interroger. D'autres employaient le langage ordinaire. Donc, c'est à ce moment-là qu'on se dit, mais qu'est-ce que c'est Khmer Rouge qui sont si divisés tant sur l'armement, le vestiment, les habits, tant sur la façon de se comporter avec nous et le langage. Are you in a position to say which specific groups were acting in such a way coming from particular areas in Phnom Penh or from particular directions, for instance, were the troops moving in from the north different in their behavior as opposed to groups moving in from the south and the southwest? C'est seulement après coup qu'on a appris qu'il y avait six armées, selon les différentes régions proches, qui convergeaient vers la gare de Phnom Penh, naissant le parti communiste de Cambodge. I understand what you're saying. In general terms, dumb. D'une façon générale, ces Khmer Rouges étaient des ignorants qui ne connaissaient rien à la vie. ខ្ញុំមិនស្គាល់ជីវិតនៅក្នុងក្រុងទេក្នុងនោះខ្ញុំពុំមានឧទាហរណ៍ជាក់លាក់ទេប៉ុន្តែមានអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតគេធ្លាប់បានរៀបរាប់ពីការដំឡើងបានក្នុងភ្នំពេញរបស់ខ្មែរក្រហមនោះគេមានព័ត៌មានលម្អិតគួរឲ្យចង់ដឹងណាស់ចង់ស្ដាប់ណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអត់ដឹងថាពួកល្ងង់ខ្លៅអានឹងជាការពិតអី So when you ពេលនេះដល់ពេលសម្រាប់ហើយសម្រាប់20នាទីចាប់ពី2នាទីទៅរហូតដល់ម៉ោង11ខ្វះ10នាទីសូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការតាមការមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការដំណំរួលដល់កន្លែងសម្រាប់នៅបន្ទប់ក្រុមចាំនិមិត្តសាក់សីនិងអ្នកជំនាញដល់សាក់សីនៅក្នុងឡងពេលជួបសម្រាប់នឹងអញ្ជើញគាត់ត្រឡប់មកកាន់កន្លែងដល់សហគមន៍ក្នុងបន្ទប់សម្រាប់ការនេះវិញនៅវេលាម៉ោង11ខ្វះ10នាទីសម្រាប់ចុះ